Hey, comment ça va les refs? Bienvenue dans le troisième épisode de mon vlog au Mexique. J'espère que vous êtes hype. Pour l'instant, vous kiffez la série, je suis grave content. Frérot, je kiffe bien ce que je vois. Il y a beaucoup de vues, j'aime bien ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le cinquième épisode de la série. Oh, mais. Frérot, je suis perdu. Je viens de dire cinquième épisode. Mais bon, donc, bienvenue dans le troisième épisode et le dernier épisode. Vous avez pas besoin d'aller voir le début, si c'est pas fait, ça va être facile à suivre en fait. Il n'y a pas vraiment une timeline à suivre, mais c'est ça. Vous pourrez aller voir après si ça vous intéresse. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous laisse avec les extraits du vlog. Je vous laisse aller chercher le like, l'abonnement si vous kiffez la vidéo. Ça me donne beaucoup de force en ce moment. Voilà, j'ai même écrit un petit mot pour vous. Merci pour le 23. Il n'y avait plus assez de place pour écrire abonné. Excusez-moi, les refs. Excusez-moi. Donc, je vous laisse avec le segment. C'est parti. Hey, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va ce matin? Petite journée relax hier. On a été détente. À la fin de la journée, en fait, on avait trouvé un wild trampoline park. Les joueurs de basket fous. Puis, on a vu. Quand je vous ai montré cette séquence-là, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais il y avait tout plein. Il y avait du bowling, il y avait du laser tag. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé une salle de bowling aujourd'hui, puis une salle de laser tag. Fait qu'on va tester. Je savais même pas. À chaque jour, je découvre des trucs. C'est pas normal. Je suis supposé connaître tout ce qu'il y a dans l'hôtel. À chaque jour, je découvre un truc. Je suis comme, attends, il y avait ça. Mais bon. Donc, c'est ça. Petite journée d'attente. Il était supposé pleuvoir, c'est pour ça qu'on a réservé ça. Si je vais peut-être vlogger un peu le laser tag, peut-être un peu le bowling. Fait que j'espère que vous avez kiffé la journée. C'est vraiment une petite journée détente comme hier. Sinon, je vais faire un peu de shopping aujourd'hui. On était supposé à la Playa del Carmen. En fait, c'est une grande île où il y a plein de magasins. Mais finalement, à cause de la pluie, on s'est dit, bon, on va pas y aller. Fait que je vais peut-être magasiner un peu. Peut-être je vais m'acheter un sombrero à l'hôtel. Il y a quelques magasins. Fait que peut-être que je vais vous montrer ça tantôt. Puis ben, j'espère que vous allez kiffer la journée. Petite journée détente et c'est parti. Donc finalement, on n'est pas allé au bowling. Finalement, on n'est pas allé au bowling. On a essayé d'aller tout de suite au laser tag. En fait, le laser tag était vraiment cool en fait. Pour de vrai, pour avoir fait quelques laser tags, j'en ai fait genre 2-3 dans ma vie, il était vraiment cool vu que il te laissait courir déjà. Déjà, normalement, il te laisse pas courir. Mais là, ça c'est tout Mexique. T'as le droit de courir. Mais pour de vrai, il était vraiment le fun. Vraiment, pour de vrai, c'est un des bons laser tags que j'ai fait. Puis ben, je vous laisse avec les extraits tout de suite. Let's go, c'est pour Laser Quest. J'ai bien hâte, Laser Tag, on teste ça tout de suite. Je vais essayer de vous vlogger un peu, mais bon, ça va être compliqué. C'est parti. Let's go! Yo, regardez comment je suis en sueur, mais j'ai dépensé mon énergie. Yo, j'ai battu Star et ça me rend. Ça me fait plaisir. J'ai réussi à battre le Star. Ça, c'est spectaculaire! J'ai quand même battu le staff. Et ça, c'est fou, les refs. Bon, par la suite, en fait, je suis allé me promener sur la plage. Puis, quand je me promène sur la plage, moi, j'aime bien me promener sur la plage ou juste me promener, mettre mes AirPods, être dans mes pensées un peu. Puis là, je me suis dit, attends. Mais je peux pas me promener sur la plage sans laisser des belles vidéos, des derniers beaux extraits de la mer à la commu. Fait que je vous en montre en ce moment. Oh, là, je suis revenu au Québec. Il fait froid. C'est la hesse. Mais je vous laisse avec les beaux extraits. C'est parti. Hey, comment ça va les refs? C'est quand même triste de se dire que ça finit dans 2 jours. Mais bon, c'est un bon petit séjour, on aurait kiffé. Mais bon. Donc, à ce soir, c'est Chop Chop. J'ai bien hâte. En fait, c'est du teppanyaki. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps Chop Chop, mais bon, c'est quelque chose dans ma famille. À place de dire teppanyaki, on dit tout le temps Chop Chop. Mais bon, ce soir, Chop Chop, je vais essayer de vous montrer un peu les petites vidéos et tout et tout. Mais bon, je vais vous laisser ce soir pour un timelapse. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Hein. J'ai pas l'occasion n'est pas c'est pas donné. Mais bon, c'est ça. Je vais vous laisser avec un petit time lapse. On se revoit demain. Peut-être, c'est ça. Il n'y aura pas beaucoup de vlogs vu que c'est la fin du séjour demain. En fait, c'est la dernière vraie journée.
Mais je vais pareil essayer de vlogger un peu. Je vais vous montrer des petits trucs. Il n'y aura pas grand chose à montrer. Peut-être que je vais vous vlogger. Si je regagne encore au laser tag, c'est sûr que je vais vous montrer. Mais bon, on se laisse sur un timelapse. C'est ciao. Ça, c'est vraiment la vie de rêve. One Piece. Timelapse. Plage. La vie de rêve, mon grand. La vie de rêve. Papa, ça magasinait dans l'hôtel, relax. Et là, ça avait envie de pigeonner. Là, je vois ça, j'ai envie de pigeonner. Regarde sur quoi je suis tombé. Ça, c'est quoi? Ça donne juste envie de pigeonner. Moi, je pense que je vais en prendre un petit bleu de même. Peut-être un petit bleu de même. Parce que ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Je sais, encore une moyenne taille. Alors, ça donne juste envie de pigeonner, ça, je te jure. On va essayer de se retenir. Mais ça se peut, on finisse la soirée avec le sombrero. On sait jamais sur quoi on peut tomber. À tout moment, parfois on a des pulsions, ça achète des sombreros. Mais je regarde, on est là pour regarder. Voilà. Sinon, aussi, il y a plein de trucs de même. Ah, là, je sais pas. Moi, j'ai repéré un petit truc. C'est le petit lézard de même. Est-ce que ça prend le petit lézard de même ou le sombrero? Moi, je pense qu'il fait un tour pour prendre le sombrero. Ah, lui, il est masse beau. Wow. Attends, je vais l'essayer. Est-ce que j'ai du flou? Est-ce que j'ai du flow de fou malade? Est-ce que je suis un vrai Mexicain? Ah, je sais pas, mais ça donne envie de pigeonner. Ah, ça donne envie de pigeonner, mais je me dis qu'il faut que je sois un homme responsable. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pigeonne? Non. Bon, vous allez le voir demain, parce que peut-être demain je vais craquer. On verra. Et pour bien finir la soirée, on a fini la soirée au Chop Chop, au restaurant asiatique, le Teppanyaki. Puis ben, c'était vraiment le gars, il était incroyable, il était grave gentil. Je vous mets des petits extraits à l'instant parce que j'ai pas pu vraiment vlogger. J'étais avec la famille, mais j'ai vraiment kiffé. Moi j'aime bien les restaurants un peu teppanyaki où ils cuisent la nourriture devant vous, ils te font du show. Fait que j'ai bien kiffé. Ah là 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 les refs, je viens de me réveiller, c'est la dernière vraie journée. C'est triste quand même de le dire de même, c'est très triste. Mais bon, quand je repense à mes refs en ce moment qui sont à l'école, je suis quand même content. Je suis quand même un peu content. Mais bon. Donc, en fait, non, c'est pas la dernière journée, c'est la dernière vraie journée. Attention, demain, on va à l'aéroport, on prend l'avion et tout. Mais bon. Donc, aujourd'hui, journée très relaxe. Je vais sûrement rien faire. À part, je vais vous bloquer des trucs assez random. Ça va être très random, mais très intéressant. Mais c'est ça. Sinon, c'est sûr. Oh oui, j'ai repris une autre réservation pour le laser tag. J'ai réussi à battre le staff. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte à quel point Booba Bubble aura un level en laser tag. J'ai battu les deux staffs qui étaient dans la game avec nous. Mais bon. Donc, petite journée relax. Posez-vous. Ça va être très relax. De toute façon, c'est un peu la fin du séjour. Fait qu'il n'y aura peut-être pas trop de trucs. À part, peut-être, je vais raconter des petites anecdotes s'il passe des trucs. Mais bon. C'est ciao. Puis comment mieux finir le séjour que par un petit laser tag contre mon père? Frérot, j'ai bien kiffé. Vous me connaissez, j'ai encore gagné. Je suis toujours là pour la victoire. Quand on appelle Booba Bubble, on appelle la victoire. On appelle le W, comme on dit. Et en fin de soirée, je vous laisse avec les extraits, mais... Frérot, le portefeuille a pris cher. Le portefeuille a pris cher durant cette fin de vlog. Et je vous le montre à l'instant parce que... Je vous montre les extraits à l'instant, mais c'est incroyable. T'es mal le pigeon. Papa, il est reparti avec le sombrero finalement. Je vous avais dit, non, on va pas pigeonner. On a pigeonné. Oh, je suis un pigeon voyageur. Oh, ça venait loin. Et ça, c'est incroyable comme phrase. Je suis un pigeon voyageur. Non, mais je suis content. C'est un gros sac de pigeonnage, mais je suis vraiment satisfait. Parce que, il est tellement beau, regardez ça. Oh, attends, il y a le coup de vent, il est tellement beau. Je vais le mettre sur mon mur, je vous le montre en live. Moi, je le trouve tellement beau. J'ai pas pris le gros format parce que mon avis était beaucoup trop grand. Mais je suis quand même très satisfait. Bon, on le connaît, le matin où tu te lèves pour l'aéroport, c'est triste. Tu vois la plage pour la dernière fois, t'es déçu, tu te dis, ah, c'est fini, demain j'ai l'école. Mais bon, je vous laisse avec les extraits. Mais bon, c'est comme ça que se finira ce beau séjour.
qui restera gravé dans mon cœur et qui restera gravé sur ma chaîne aussi. Et ça, c'est une vraie phrase. Ça, c'est une vraie phrase de philosophe que je viens de dire. Je vous laisse avec les extraits. Et c'est sur ça, et c'est sur cette belle journée, et sur ce beau, cette belle vue que ça se finit. C'est triste. Si tu sors, j'aurais kiffé. Sauf que moi, j'ai l'école, et ça, c'est bien triste. Force à tous mes refions de l'école aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez kiffé ces trois vlogs. Merci à tous ceux qui ont suivi l'aventure dans les trois vlogs. Merci d'avoir écouté la vidéo aussi. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher le like, l'abonnement. Ça me soutient énormément dans ma quête des 1000 abonnés, de la monétisation, d'avoir de la moula, comme on dit. Tu peux pas être plus forceur que moi sur YouTube. Y a pas pire. Mais c'est ça, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette aventure. Bien évidemment, si vous êtes tombé sur cet épisode-là par hasard, je vous laisse aller voir les deux premiers épisodes si vous avez kiffé. Merci de lâcher le like, l'abonnement. On se revoit très prochainement pour des très gros bangers. Parce que je vous avais dit qu'il y avait des bangers qui se préparaient en début d'année. Mais ça, c'est juste le commencement. Frérot, ça va être fou. Je vous laisse. Ciao!